je sais pas comment, mais grosse complicité, j'ai pas. Ok, non, mais ça va, non, mais bien. En fait, c'est vraiment. Et t'as fait compliqué. Le gueux qui était en haut, moi qui a suivi et. À la vôtre, hein. C'est super. Paye le loyer, ça y est, c'est fini. Vas-y, force à vous les gars en tout cas. Là ou quoi l'équipe? Mais non les gars, on change de DA, ça y est, ça fait un an. J'espère que vous allez bien les gars, on est avec l'équipe les gars, on va au GP2 demain et on va essayer de refaire comme l'année dernière, on va essayer de s'infiltrer dans le côté vie pour essayer d'aller checker les guests, etc. Il est 21h38, demain on doit se lever à 5h30, ça va mais piquer mais de zinzin. Et là on va aller au McDo, vous allez nous suivre et c'est parti. Bon, on va au KFC ou au McDo? On va au KFC. Ah bon? Eh mais on va au KFC. Oh frère, on a trop bouffé là. Est-ce que t'as trop mangé toi aussi mon ref là? Un peu plus frère. Okay. Non, c'est comme un squelette. Je suis épuisé frère. Fais la danse du squelette, fais la danse du squelette. On a pas assez d'espace là. Fais la danse du squelette là. Tu vois, c'est l'espace. C'est moins drôle que dans mon imaginaire. Transition dans le lit, tu le fais? T'es prêt? Vas-y. 3, 2, 1. C'est quoi ce chicken? Je sais même pas s'il fait comme ça. En fait. Ça va être quoi ce déjeuner de Doberman demain, frère? T'es mal le déjeuner de Doberman. Un déjeuner de mec du Z-Event. On va au Z-Event ou on va au GP, frère? C'est quoi ce foutoir? On va voir si chaud, frère. Vraiment, il fait chaud de zinzin, gros. On va jamais dormir. Casse-toi. Ah, cette bâtard. Ah, tu m'as niqué. Non, on va faire foutre. Ah oui, t'es trop con, il y a le lit. Ah, je me suis tué. Ah, fils de pute. Mais toi, t'as un barrette, t'arrête. On va voir. A demain, les refs. Pour le GP. Ça va être incroyable. On va essayer de voir les guests, on va leur donner des tenders. Tu sais que je vais vraiment le faire, hein, mettre une tenders dans ma poche. Et faire un pierre-feuille-ciseaux et lui donner un. Hein. Oui. Oui, c'est quoi ce téton? Et sur ce, bonne nuit, les refs. C'est bon? Dès 5h30, parce qu'on aime ça les tenders, frère. Let's go, on est arrivé comme l'année dernière. C'est une dinguerie, on a évité aucun bouchon, frère. Aucun ouais, bouchon. On a vraiment évité tous les bouchons. Mais si, on a évité aucun bouchon. On a évité aucun bouchon, c'est quand t'as pris tous les bouchons du coup. Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça moi. Voilà mon gars, on va aller au-dessus des paddocks, frère. Ça va être incroyable. On est au-dessus des paddocks, on est bien. On est bien. Alors on est bien, frère. Comme l'année dernière, bon, on va être calé. On va prendre du merch. Le merch de Mister V. Let's go, le merch. La pigeonnerie n'est jamais finie. Ouais, je te régale, mon goré. Hein. Il est 10h, c'est bon pour vous? Frère, à 10h, on est en train de manger une pizza. Let's go! On a réussi à passer quelques trucs là. On sert. Il a mis un. Mais déjà, enlève ta casquette, frère. Ta capuche, peut-être. Mets ta casquette. Là, du coup, on va essayer de passer comme l'année dernière là. D'essayer de voir les guests et de les check. Mais bon, ça risque d'être compliqué. Il y a 3 fois plus de sécu que l'année dernière, frère. C'est une dinguerie. Il y a GMK? Frère, il est énorme. Il est titanesque! Ah ouais, il y a même Michou, frère. Trop bien. Les frères, je sais pas ce qui se passe. C'est zinzin. Mais gros, en fait, on est dans le truc là. Il y a tous les guests. On croise plein de guests. Maintenant, faut essayer de faire le truc de la tenders là. Si on y arrive, frère. Incroyable. Putain, je vais en menace. Tu te rappelles l'année dernière, gros? L'année dernière, tu te rappelles, il y avait un gars qui t'avait crié pète-moi le cul manasse. Tu te rappelles? C'est toi? Descendu. Je te l'ai redit. Ce t'as matin. Tweeté aussi, non? Ouais, au Salvatore d'ailleurs, j'ai fait une story, tu m'as jamais répondu, gros. J'ai pas vu la story, j'ai pas vu la story. Menteur. Oh le menteur. Je me croise un menteur, je m'assois. Bon, mais frère, force à toi. Encore une fois, on est passé, je sais pas comment, mais bon. Grosse complicité, j'ai vu. Vas-y, frérot. On s'attrape. Bon, allez. Non, vas-y, laisse-le, vas-y. C'est ton ref, ça y est. Ça y est, c'est mon ref, ça y est, Manas, je t'aime. Force à toi, mon gars. Tu vas voir Manas, tu le check et tu ouais. Le check, c'est moi. 2 années consécutives, je vais voir Manas. Ça, c'est beau quand même. Ça passe de zinzin. Et qu'avec moi que vous pouvez voir ça, les gars. Y'a qu'avec moi. Non. Putain, le noob. T'es un noob. Oh, le noob. Ça, tu vas y penser dans 2 semaines. On a un délire. Je peux plus parler de la vidéo, j'ai chié.
T'es vraiment une merde, gros. Alors là, je peux pas genre payer 50 balles et revenir 30 secondes en arrière. Tu payes tous les jours, gros. Sa merde. Surtout qu'en plus, tu regardes tous les jours. Je regarde tout. Mais frère, je suis une sombre merde. Oh, c'est triste. T'as retrouvé Étienne le bolide? Ouais. Alors, il est toujours vivant, du coup. Envoie-le sur notre Insta, c'est la Fabrique Auto. Ouais. Carrément. Envoie le lien. Quand j'aurai du réseau, mais. Ouais. Mais c'est le même truc. Mais en fait, j'avais envoyé un message à Villebrequin. Ouais. Forcément, ils l'ont pas vu. Vas-y, passe-le. Comment t'as fait pour retrouver? Eh ben, écoute, registre de naissance, plein de trucs. Des papiers compliqués. La vidéo, elle m'a pris. Bon, j'ai tardé un peu, mais elle m'a pris un an. Ok. Voilà. Ah, joli. Si jamais tu veux. Ça fait travail. Ouais, je vais. Bah oui, carrément. Même moi, je vais regarder, ça m'intéresse. Bah, en fait, il y a beaucoup de choses et tout. Pour la fin, pas grand chose. Parce que tu sais, moi, j'aurais bien voulu le rencontrer et tout. Le problème, c'est qu'il a presque 90 balais, tu vois. Donc, Ah oui. Et puis tout jeune, quoi. Donc, ouais, c'est pour ça. Puis il veut plus être avec les réseaux et tout. Ouais, voilà, ouais. Il va rester grand, tout ça. Tu m'étonnes. Quand t'as cet âge-là. Un peu saoulé à force. Cet âge-là et que tu perds d'un coup, bon. Ok, ça marche. Bah, merci. Merci beaucoup à toi. Bah, je t'en prie. Envoie-moi ça, ouais, sur l'Insta. Regarde, ça marche. Wesh, Warren, ça va? Tranquille, frère. Tranquillement. Force à toi, mon ref, tu gères. Hein. On est ensemble. Wesh, il a fait le dep. Attends, il va vers lui. Ça va, tranquille? Bon, ça fatigue, hein, la chaleur là, non? Enfin, ça crève, hein. On s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de. Ouais, mais surtout que là, ouais. On est passé devant les gens, ils sont sympas, ils sont mignons, tu vois. Il y a vraiment le côté. Ouais. T'as genre 1000 personnes qui. Ouais, et en plus, ouais. Là, on est 60 000, 20 000 de plus que l'année dernière. Oui, mais ça, l'année dernière, là, c'est compliqué, hein. Ça, c'est l'équipe de Gotha. Il est passé 400 canaux. Il vient de voir. Mais, attends frère, on sort. On pose les bases. C'est... Pour lui, un défaut. Mais c'est quoi ce poulet frère? Ça va tranquille, ça va? Dis-moi. Oh vraiment, dis-toi. Ça prend trop de temps, je vais pas pouvoir. Ok, pas de soucis, carte feuille ciseaux. Ouais. Oh, une manche. Il se passe quoi? Je te donne un truc ou vas-y, carte feuille ciseaux, une manche. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Allez, c'est bon. Bon bah tiens. Quoi? Fallait que je le fasse frère, tiens, je t'offre ça. De quoi? J'ai l'impression que c'est moi qui perds là. Ouais. C'est la Tenders d'or, frère. Bah, je veux pas manger ça. Ok, non, mais ça va. Tu te doutes bien. En fait, c'est vraiment de la merde. C'est juste pour faire un happening. Ça va bien, les gars. Bonne vidéo, on va gagner. Hein. Let's go, frère. J'ai réussi à faire mon happening éclaté. Mais la vie de ma mère qu'on l'a fait, je l'avais dit, frère. Tu te rappelles l'année dernière des gueux qui étaient en haut? C'est toi qui as suivi et qui a fait un truc sur moi un peu partout. J'ai peur, ce matin. Pas du tout, frère. Mais ça me dit quelque chose, ouais. L'année dernière, hein. Ouais, je sais quoi ce poulet qui me dit, c'est que toi qui m'as suivi. Bah non frère, je ne te suis pas. Ouais en vrai frère, on a vu plein d'autres gens, enfin en fait on a vu Mastu et tout. Mais vas-y, flemme d'aller les voir et tout parce qu'ils sont avec leur famille et tout. Et genre je me vois mal y aller et dire ouais tu penses que c'est qui va gagner au GP machin. Ou je reste là et juste on discute tranquille quoi. On va baisser sa mère, comme d'habitude je me fais baiser. On est bloqué là frère, parce qu'on est dans le coin VIP là. Mais après il y a un autre coin encore mieux, c'est là où il y a les F4 et tout. Et on cherche comment rentrer mais... C'est pas si facile que ça. Il y a Sosomanes, il vient de passer frère. En voiture de golf, en golfette. En voiture de golf. C'est quoi ce foutoir frère? On a fait un deal avec un gars qu'on connaissait même pas frère. C'est une dinguerie, je sais pas. Il nous a prêté son badge pour revenir dans des zones VIP et tout. Donc du coup là l'objectif ce serait d'aller au paddock frère. Tu serais capable? Ah putain, ouais mais là frérot, il y a la sécurité qui a été renforcée. Si je passe avec le truc terrain, c'est que toi qui passes avec ça en soi. Logiquement, du coup, on peut tenter si tu veux. Toi, du coup, tu pourras pas. Ah ouais, je suis baisé, c'est pour ça. Tiens. Mais c'est quoi ce foutoir? Toi, tu mets ça avec moi. Ok. Et là, ça passe. T'es vraiment le plus gros crack de France, frère. Vraiment, c'est joli, hein. C'est incroyable ce qui se passe, frère. C'est une dinguerie. Du coup, là, on est dans la terrasse 24 à volonté, là. Il a réussi à faire passer Lancelot. C'est quoi? What is this chicken? What is this chicken? Ce mec, on lui doit une dette, les frères. On lui doit une dette. On va ouvrir une cagnotte. C'est multivers, on dirait dégueu. On est en train de manger à même le sol. Frère, c'est incroyable. C'est une putain de légende, frère. Il y a Michou là-bas. Let's go, c'est le début de la course, frère. À la vôtre, hein. Moi, je me sers un petit cocktail. C'est parti! Let's go! Là, je comprends
comprends rien, frère, ce qui se passe. On va se resservir un petit cocktail en loge. Dans les loges de Marc, frère. La vie de merde, je comprends rien ce qui se passe. Merci Bump, on se resserre dans les assiettes de Bump. On se resserre dans vos petits cocktails. On investira sur vous en bourse. Je comprends rien ce qui se passe, frère. On se fait amener. Frère, la vie de rêve. Là, la remise des diplômes, c'est la fin, il va là-bas. Je comprends rien à ce qui se passe. T'as vu, il y avait Roman Dobnik. Oui, je comprends rien à ce qui se passe. Là, on est dans les loges, mais on est où dans les loges, là? Ça me fume, frère, on arrive dans les trucs des loges. Oh, on vit de zinzin, là. What is this chicken, frère? On l'avait dit, on l'avait dit qu'on passerait, les frères. On est dans les paddocks. Eh ben écoute, on se balade, frère. Si, tout ça, c'est grâce à vous. Non, c'est pas vrai. C'est vrai qu'elles sont jolies, hein, frère, avec Marc et Gilles, tu vois. J'avoue qu'elle biche de zinzin, frère. On est fit la BM d'Inox. Oh, je suis bien. Ça me fume, frère. Ça me termine. Trop bien, toi. Trop l'aise, frère. Oh, frère, je paye le loyer, ça y est, c'est fini. On a pris la vie en mode facile. Je me resserre un petit cocktail. Wesh, j'ai failli mourir. Petit cocktail, mais j'ai failli crever. Vous, les gars, c'est une dinguerie. Cet après-midi, on a passé 3h30 à chercher comment venir ici, c'est bon pour vous? En 15 minutes, avec grâce au contact, en 15 minutes, frère, c'était plié. J'ai pas un rond dans les poches, il y a juste les contacts. Gratuit. Je crois, les frères, faut pas l'oublier, mais vraiment, c'est ce mec-là, qui est derrière tout ça, frère, qui peut nous faire vivre cette magie, gars. Parce que du coup, faut savoir que nous, on attendait là avec notre petit cocktail. Et lui, il est parti sur la piste voir directement la remise des trophées. C'est des pieds qui a gagné, on a vu ça, du coup. Evie, Marc. Marc, Evie cette année, il est là, Marc. Lui aussi, maintenant, Evie cette année. C'est incroyable. Voilà, les frères, c'est incroyable. C'est compliqué cette histoire, tout ce qui se passe là. Ce foutoir. Mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Il y a Soso là-bas. Moi je filme juste, c'est tout, frère. Moi je fais rien, je filme. Mais frère, mais gros, on tourne la tête, on voit Inox en bagnole. Mais c'est quoi ce multiverse, les frères? En fait, là je vous explique un peu la situation, les gars. Ce qui se passe, c'est que là, on est toujours bas. On est toujours bas. Les arceaux, oui. On nous a dit de se barrer. Donc, mais du coup, vu qu'on veut pas se barrer, nous on s'est mis au bar. Comme ça, tout le monde se casse et nous on reste là. Ok. Comme ça, on reste avec les guests et on va essayer de tout filmer, les frères, de A à Z. Mais franchement, c'est incroyable. On voit tout le monde. Bon, après, j'ose pas m'approcher des gens parce que vas-y, frère, flemme de les faire chier. À leur place, genre, ça doit casser les couilles. Genre, d'être tout le temps là, sollicité, frère, toutes les 3 secondes. Donc, ouais, j'essaye de pas le faire. Offert par Bump. Merci Bump. Pas de mode difficile, rien. La vie, elle est en mode facile, les frères. Facile. Vu qu'on est resté dans le bar des guests là. Du coup, ils viennent tous au bar, toutes les personnes du GP, Magla. Il y a Magla, Sylvequin. Ouais, j'en ai refait. Ouais, on est bien quoi. Il y a Gurki et tout. C'est pas mal. Ça fait rat de star, mais pas du tout. C'est juste pour vous montrer tout ce qui se passe en fait. 160 000 personnes, on a réussi à faire tous les coins VIP du GP. Je suis retourné me prendre un petit cocktail, frère. Je sais pas si vous imaginez. Vous voyez ça là? Il m'a mis la moitié que de gin, frère. Il m'a dit, on a plus de verre. T'as mis les 3 quarts? Ah oui, les 3 quarts, ouais, les 3 quarts. Ouais, plus de la moitié quand même, ouais. Là, les gars, dites-vous, je bois que de l'alcool pur, limite. C'est horrible. C'est horrible. Même moi, là, je suis assis tellement c'est trop, frère. Bon anniversaire, Gotha, encore, hein. Let's go. Je vous jure, les frères, je sais pas dans quel multivers on vit, frère. Chicken, il y a Grimm et tout. Oh. Il veut pas une ressemblance avec Maxime. Tu trouves pas? Tu sais que vraiment, mec, c'est une légende, frère. Non, je pense, à part la couleur de peau, je te jure, y'a rien. Tu trouves pas? Oh, je suis désolé. Je suis désolé. Toute la journée, je t'ai vu, je fais la 9h, je vais pas voir Maxime, je vais demander à lui parce que. Je suis désolé. C'est pas grave, frère. Moi, rien. Vas-y, force à vous, les gars, en tout cas. Je suis triste, frère. En vrai, Thibaut, c'est un ref, il ressemble comme deux gouttes d'eau à Maxime, moi je trouve. La 9h, moi je trouve, frère. Bouf. Là, c'est incroyable ce qui se passe, frère. On essaie de rentrer dans une soirée privée, la soirée welcome, je crois, c'est ça? Avec tous les guests et leurs familles. On sait pas, on va essayer, voir si on rentre pas. Si on rentre, let's go, si on rentre pas, bah fuck. C'est incroyable ce qui se passe. Le poulet est bon. Le chicken is very good. On voit pas tout le monde qui a, je crois, avec la GoPro. Les frères, c'est incroyable ce qui s'est passé.
En fait, on devait passer dans la soirée. Ils appelaient ça comment déjà la soirée ? Soirée Welcome. Welcome. Avec les pilotes et leur famille. Ouais, avec les pilotes et leur famille. Et vas-y, en fait, au dernier moment, on n'a pas de patch depuis le début. Hein. On est passé dans tous les côtés VIP. Enfin, on était à côté de Théodore quand il débutait sa course et tout. On a fait des trucs de zinzin. Et là, du coup, on n'est pas passé parce que on n'avait rien en fait. On n'avait pas de patch, on était à poil. Du tout, on était tous les deux comme des cons à un moment. Mais on a quand même réussi à monter au-dessus des marches. Bref, j'ai parlé avec Gilsy d'ailleurs. Je lui ai dit, tu te rappelleras de cette anecdote avec le pierre feuille ciseau. Il m'a dit, bien sûr, le Tenders. Frère, c'est pas fou, en vrai, je suis content. Comme quoi, sur 60 000 personnes, les gars, on a réussi à passer en VIP. On a mangé comme on voulait, frère. On s'est régalé, on a vu tous les guests qu'on voulait, on a fait les happenings qu'on voulait. Écoutez, tout est parfait, les gars. On a raté le concert, mais on s'en fout. Wow, on a des gueules éclatées, frère. On va faire 3 heures de route là. Je vais vous montrer un truc qu'on a récupéré, les gars. Frère, tout neuf, avec l'étiquette et tout, frère. Incroyable. Aux 10 000 vues de cette vidéo, les gars, je le fais gagner dans les commentaires, dans l'espace commentaire. Mettez un max de com, les gars, vu qu'on a passé une super bonne journée, frère. C'est un truc de zinzin, on vous fait profiter vous aussi, parce que ça nous a rien coûté. Et c'est pour vous la mif, pour vous faire plaisir, les gars. Donc écoutez, ça fait plaisir à tout le monde. C'est vraiment pas mal, frère. Hein. Il est Gucciisé, frère. Il est tout neuf avec l'étiquette et tout, les frères. Incroyable, on vous le fait gagner. Oh, c'était pas achetable, ça, je crois. Ouais, je crois qu'il était pas... Vous aurez pas pu l'avoir en merch. Donc, les gars, foncez dans les commentaires, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour cette nouvelle année, les gars, on a prévu de gros projets, de grosses vidéos. Préparez-vous, ça va ressortir très, très, très fort. Abonnez-vous, les gars. Mettez un petit like et un petit commentaire pour gagner le merch. Et sur ce, les gars, prenez soin de vous. C'était Lucas. Yeah.